Alors, monsieur Marketing, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur la saison qui démarre avec toutes les nouveautés, les pneus, la centrale unique? Oui, c'est une saison très intéressante parce qu'il y a eu des changements très intéressants. Au niveau d'électronique, qu'on est retourné un peu à l'ancienne, il y a moins d'aide électronique. Et au niveau des pneus, qu'il y a eu un gros changement avec la sortie des Bridgestone par Michelin et avec des pneus plus proches aux séries parce que il s'agit de pneus de 17 pouces, pas de 16,5. Alors on a moins de gomme dans, par terre, dans le contact de goudron. Excusez mon français, j'espère que ça va. Alors ça, les motos sont très performants parce que Michelin il a fait un très beau travail. C'est déjà beaucoup mieux aux pneus arrière, qui donnent beaucoup plus de grip. Mais c'est un peu plus compliqué pour les pneus avant parce que les performances sont bien, mais il y a moins de possibilités. Si vous allez faire une erreur, c'est plus facile de tomber. Et on a vu que tous les ténors de la GP sont déjà tombés. Marquez beaucoup de fois dans les essais. Lorenzo en Argentine, Rossi, Austin, Kratzlov, tous les trois coups il est tombé, aussi les Tech 3, aussi les Ducati. Et alors je pense que ça c'est la clé du championnat parce qu'il gagnera qui tombera moins. Moins des erreurs vous allez faire parce qu'en plus tomber sur l'avant, on peut aussi casser la clavicule, casser un poignet. Ce sera le pilote qui est capable di s'adapter parce que chaque circuit, on a vu Lorenzo test hivernal très fort, Qatar très fort, Argentine en difficulté, a Texas s'est retourné Marquez très fort. Pour le moment, ça paraît que Marquez il est très fort, mais aussi Ducati ça va bien parce que s'il n'y avait pas la malsance de Dovizioso, il pourrait être deuxième à presque un peu de points moins de Marquez, mais d'abord la connerie, excusez-moi, de Iannone, che là c'est, il a fermé la tête, le cerveau c'est resté in Italia, e poi la malsance de Pedrosa, là c'était plus un accident de malsance. On a fait ça e je pense que pour le championnat c'est très intéressant cette année, mais de toute façon, comme d'habitude, les meilleurs sont toujours les meilleurs. Mais il y a cette opportunité de beaucoup de chutes. On a vu beaucoup de chutes, presque tout sur l'avant. Et Michelin travaille à fond, il est en train d'améliorer, mais c'est encore un peu plus délicat qu'avec Bridgestone, c'était différent. Vous avez moins de grip à l'arrière, mais c'est très très sûr. Moi, des fois, je teste les motos GP, aussi j'ai fait la two-seater, pas comme Randy et Bataini dans les Grand Prix. J'ai fait des événements privés pour les sponsors de Ducati et alors je connais les pneus et j'ai vu que Bridgestone donnait beaucoup beaucoup de surettes à l'avant. Michelin ça va bien, mais il faut changer un peu le style de pilotage et aussi les réglages des motos sont un peu différents. De toute façon, c'est une année très intéressante et je suis très content de voir la Ducati. Moi, mon cœur c'est Ducati, moi j'ai fait des choses avec Ducati, je suis le directeur de l'école, de DRE, j'ai fait des présentations de presse, j'ai fait des roulages avec les clients, je suis un peu un petit ambassadeur et ça me fait sourire, voir une Ducati au Qatar, c'était incroyable les performances qu'on avait. Alors justement, Ducati, vous avez un pilote français qui n'a pas beaucoup d'expérience des Bridgestone. Est-ce que ça ne peut pas l'aider à tirer un petit peu son épingle du jeu? Sont des prêts différents. Sont des prêts différents et il faut bien comprendre et il faut changer rapidement le style de pilotage parce qu'avec Bridgestone, vous êtes beaucoup sur l'avant. Avec Michelin, vous avez beaucoup de grip sur l'arrière et souvent, les grips c'est trop en comparaison à l'avant. Elle pousse et c'est l'arrière qui fait tomber sur l'avant la moto. Alors, il faut changer les réglages et il faut aussi que Michelin travaille à fond. On a vu qu'il y avait un circuit très critique, que c'est l'Argentine. On a aussi l'année passée avec Bridgestone, on avait beaucoup de soucis avec les pneus. C'est passé un peu mal parce qu'on a fait une course un peu de masse, ma il travaille à fond et je pense que les pneus ça va améliorer, ça va développer course par course. Un autre circuit un peu critique c'est Phillip Island, mais je pense vers la fin de la saison ça doit être bien.
Et bon, on verra. Moi, je pense positif. Je m'amuse cette championnat parce que je crois qu'il y aura beaucoup de changements jusqu'à la fin. Parce que pour le moment, c'est Marquez qui a gagné des courses, mais en plus, Marquez est un pilote qui attaque très fort et avec ses pneus, il a plus de risques de tomber. Il est tombé beaucoup dans les essais, mais pas dans la course encore. Bien sûr, moi, je ne souhaite pas ça, mais je pense arriver. Qu'il y aura beaucoup de surprises. Et alors, l'an prochain, vous allez avoir un pilote espagnol? Oui, c'est presque fait. Au moins, ce n'est pas moi que je dois le dire, mais je crois que dans quelques jours, à Jerez, il y aura l'annonce officielle. Je pense que c'est bien pour Ducati avoir un pilote qui peut montrer le potentiel de la moto. Bien sûr, on a des bons pilotes, mais Lorenzo, c'est peut-être le pilote plus complet qu'il y a. Et c'est très intéressant de voir la moto en vis-à-vis avec les petits tests de Casey Stoner qui l'a monté. Lui, il a dit que la moto ancienne, c'était une moto pour gagner les titres, pour gagner des courses. Et il l'a montré parce qu'avec moins de tests, il était rapidement aux avant-postes. Moi, je pense que avec Lorenzo, c'est bien pour les championnats, c'est bien pour Ducati, c'est bien aussi pour Yamaha, parce qu'il y aura un pilote, c'est un peu un risque, parce qu'on va perdre les pilotes plus performants, mais ça sera bien. Et alors, pour finir avec Ducati, est-ce que ça vous fait plaisir que Honda dise on va s'attaquer aux ailerons, parce qu'on n'y arrive pas, mais ça doit marcher et on va suivre la voie de Ducati? Moi, je pense que les ailerons ne sont pas dangereux. Et il donne une grosse aide parce que Ducati a un moteur brutal et il aide beaucoup avec l'anti-wheeling. Et on perd un peu de maniabilité dans les virages rapides, mais la nouvelle Ducati, ce n'est plus la Ducati ancienne qui était très physique. C'est un moto très facile à piloter, très facile, difficile quand vous allez aux limites, mais c'est un moto très performant. Et moi, je pense que les ailerons ne sont pas dangereux parce que c'est des petits sources de carbone. Si on tousse, on casse rapide. Mais au cas où on va les lever, on va utiliser plus d'électronique parce que c'est une moto qui fait des wheeling de fou, mais l'électronique coupe de la puissance. Merci à l'ailerons, on a plus de vitesse parce qu'on peut accélérer moins. Merci, monsieur Marchetti. Mais c'est un plaisir. Bon travail avec votre site. Plaisir de vous connaître. Merci, moi aussi.